واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ابن باز رحمه الله parmi les qualités, quelqu'un de très sérieux, trop sérieux même. Non, c'est rare qu'on le voyait rire. Justement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au maximum sourire. Quelqu'un m'a rapporté une fois que, yani il était assis avec Cheikh Ibn Baz et d'autres, quand une personne est venue poser une question, et elle a, au Cheikh, rahimahullah, lui a dit, c'est pendant le Hajj. Il a dit, quand j'ai terminé le Hajj, et puisque je suis chauve, je n'ai pas de cheveux sur la tête, et comme yani il faut passer donc. Il faut se couper les cheveux ou les raser, il a dit, ou bien rétrécir. Il a dit, comme je n'ai pas de cheveux, j'ai demandé à quelqu'un, il a dit à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, j'ai demandé à quelqu'un, donc comment je fais? Est-ce que, pourquoi il a demandé la question? Parce que certains savants, comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il a dit, certains disent que même si on est chauve, et passer le rasoir comme ça sur la tête, en guise de zama, yani, je l'ai passé sur ma tête, même si on n'a pas de cheveux. Donc il a dit, j'ai demandé à quelqu'un, et ce quelqu'un, il a dit, il m'a répondu, puisque tu n'as pas de cheveux et tu as la moustache. Il a dit, celui qui a posé la question, il a dit, quand j'ai dit cette phrase, moi-même, c'est-à-dire celui qui a posé la question, et tous ceux qui étaient assis avec Ibn Baz rahimahullah, ont ri, ont même éclaté de rire. Il a dit, sauf Ibn Baz rahimahullah. Il a dit, je l'ai regardé, je l'ai vu, il a baissé la tête. Est resté un instant la tête, yani, il a baissé la tête basse, il a dit honte, et j'ai vu des larmes, des larmes des yeux. Il a dit, rahimahullah ta'ala, naam, il a dit, comme ça il a dit, naam, c'est-à-dire si j'ai des larmes aux yeux ou là, comme ça maintenant, les gens jouent, naam, en faisant quoi? En faisant des fatwa comme ça, qui n'ont aucun délil, naam. Des djuhel, comme a dit le prophète, alayhi salam. À la fin du hadith, il a dit, quand Allah ta'ala va prendre le ilm, en faisant mourir les savants, qu'est-ce que vont faire les gens? Ils vont prendre des têtes de djuhel, et vont les savants. Subhanallah al-adim. Regardez le sérieux, son sérieux, tellement sérieux que, une chose qui fait rire, tout le monde a ri sauf lui. Lui, il a pleuré. Il a dit, subhanallah al-adim. Il a dit, le djahl est arrivé à ce point. Et il a mis aux yeux. Rahimahullah ta'ala, rahimahullah.